Bonjour à tous. Alors comme annoncé dans ma vidéo du patch 1.19, nous voici aujourd'hui contre Ifrit, la célèbre invocation de feu qui est récurrente en fait au Final Fantasy. Ifrit apparaît dans presque tous les Final Fantasy. Donc il avait été rajouté à la dernière update en tant que deux combats différents. Donc le premier se déroule au niveau 30 à peu près. Alors je vous avais mis la vidéo du combat niveau 30 dans ma vidéo du test du patch 1.19. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo du combat au niveau 50 justement. Alors si vous désirez faire ce combat, la première chose plus importante à laquelle vous devriez être attentif, c'est la position en fait de nos personnages sur le terrain. Tout simplement en fait parce que Ifrit possède pas mal d'AOE qu'il utilisera tout au long du combat. Et en fait le combat est plus ou moins basé sur ça, c'est-à-dire il va faire beaucoup d'attaques de zone à certains endroits de la zone. Et le but c'est d'en éviter le plus possible parce qu'elles font bien mal. Donc j'essaierai de vous expliquer ces AOE en détail. Alors pour le moment, une chose aussi à savoir, c'est que nous sommes dans la première phase du combat, parce que le combat se déroule en plusieurs phases. Et bien sûr, au fur et à mesure des phases, Ifrit va gagner en puissance et va gagner aussi de nouvelles attaques. Alors là, vu que nous sommes en phase 1, c'est la partie la plus simple du combat, donc il ne se passe pas grand chose, heureusement. Par contre, par la suite, ça devient beaucoup plus corsé. Alors là, Ifrit est en train de faire l'une de ses premières habilités, qui est tout simplement un souffle enflammé. Alors c'est une AOE de cône qui ne touchera que les personnes qui se trouvent en face de lui. C'est ce pourquoi justement il ne faut avoir que le tank en face de lui et bien sûr les mêlées derrière. Ça fonctionne exactement comme dans Final Fantasy XI. Et là il est en train d'utiliser une de ses autres habilités, l'une des plus dangereuses malheureusement. Alors c'est une éruption volcanique qui apparaîtra justement sous nos pieds. Elle ne touchera en général jamais le tank, mais toutes les personnes qui se trouvent justement autour, c'est-à-dire toutes les mêlées ou les mages, ça peut justement apparaître en dessous de nous. Et si on est là pendant que ça explose, ça peut faire bien mal. Alors là, il est en train d'utiliser une autre habilité spéciale, où en fait Ifrit va s'envoler. Ensuite, il va réapparaître à un endroit de la zone, après quoi il va foncer tout droit à l'autre bout de la zone. Et si jamais vous vous trouvez dans son chemin, ça peut faire très mal malheureusement. Alors cette attaque est heureusement très simple à éviter, il faut simplement pas bouger. En général, si vous n'êtes pas au milieu de la zone et que vous ne bougez pas, il ne vous touchera pas. Alors l'avantage quand il utilise cette attaque, c'est qu'en tant que mage, on a le temps de récupérer pas mal de MP pour la suite du combat. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce qu'il peut faire dans la première phase. Alors c'est heureusement la phase la plus simple, mais il faut quand même faire bien attention car les éruptions peuvent facilement nous tuer. Alors là on va rentrer dans la phase suivante du combat. Alors il est très simple de voir comment on arrive à cette phase en fait, tout simplement parce que Ifrit devient enflammé. Donc vous savez que quand Ifrit est enflammé, vous êtes à la phase suivante. Alors là il est en train d'utiliser l'une de ses nouvelles AOE qui va en fait faire exploser une grosse partie de la zone. Alors bien sûr, si vous vous trouvez à l'endroit de l'explosion, ça peut faire très mal. Alors vous noterez justement que cette AOE ne nous a pas touché, tout simplement en fait parce que Ifrit ne peut pas nous toucher avec cette AOE à l'endroit où nous étions. Alors là il vient de réutiliser son attaque d'éruption et comme vous avez pu le constater, ce coup-ci il l'a utilisé 3 fois d'affilée. Alors en fait c'est l'une des particularités de cette phase. À partir de maintenant, Ifrit utilisera 3 fois de suite certaines de ses habilités. Alors là, il est en train de réutiliser son attaque avec laquelle il traverse la zone. Alors l'avantage, c'est que dans cette phase, vu qu'il va l'utiliser 3 fois de suite, il sera possible de récupérer encore plus de MP qu'avant. C'est d'ailleurs malheureusement le seul moment du combat dans lequel on peut justement récupérer beaucoup de MP, donc autant en profiter. Alors pour le moment c'est plus ou moins les seules habilités qu'il possède. Alors au niveau des positions, vu qu'il faut toujours se positionner en fait au même endroit, alors il y a certains repères dans la zone justement pour nous aider à bien nous placer. Par exemple à l'endroit où c'est que nous sommes, vous remarquerez qu'il y a un caillou juste à côté de nous. En fait parce que en fait la position dans laquelle on ne peut pas se faire toucher par certaines de ces AOE se trouve un peu à gauche de celle-ci.
Et donc là, vous allez maintenant assister à la vraie difficulté de ce combat. Alors, comme vous pouvez le constater, je me fais toucher sans trop de raisons apparentes. Alors, si vous vous demandez pourquoi, en fait, c'est tout simplement à cause du lag. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, Ifrit s'apprête à utiliser Hellfire. Alors, c'est un peu comme l'Overdrive dans Final Fantasy X. Ou ce qu'on pourrait appeler tout simplement la 2h dans Final Fantasy XI. Alors pour faire simple, Ifrit va faire pop 4 pics de feu en fait, qu'il vous faudra détruire, enfin il faut en détruire un tout simplement, parce que sinon Hellfire vous tuera en un coup tout simplement. Alors vous avez une minute entre le moment où il va justement faire invoquer les pics et le moment où c'est qu'il va lancer son attaque Hellfire. Alors une chose importante à savoir, c'est que même avec un pic justement qui est descendu, Ifrit fait quand même malheureusement pas mal de dégâts en fait avec Hellfire. Et le seul moyen de vraiment éviter Hellfire, c'est d'utiliser Sentinelle juste avant qu'il lance justement son attaque spéciale. Alors là, vous pouvez la voir justement. Et donc ça, c'est aussi l'un des gros défauts de ce combat. Parce que Sentinelle est une habilité de haut level justement de gladiateur et il faut malheureusement leveler ce job pour avoir le moins de problèmes possible. Alors Hellfire est souvent suivi d'une attaque spéciale. Là nous avons eu la chance d'avoir l'attaque quand il saute, ce qui nous a permis de récupérer pas mal de MP. Mais c'est aussi quelque chose auquel il faut faire très attention. Alors vous remarquerez aussi que maintenant il y a 3 Ifrit quand il fait cette attaque. Mais à ces positions là ils ne pourront quand même pas vous toucher. Alors pour en revenir à ce que je vous expliquais tout à l'heure à propos du lag, en fait si je me suis fait toucher, c'est tout simplement parce que même si je n'étais plus dans la zone de là-haut, vu qu'il y avait une certaine latence sur le serveur, au niveau du serveur, le serveur prenait en compte comme si j'étais toujours justement dans l'explosion, et c'est pour ça en fait que je me suis fait toucher, et c'est là justement tout le problème de ce combat en fait. C'est qu'il y a énormément de lag et vu que c'est un combat qui demande de devoir beaucoup se déplacer, ça pose énormément de problèmes. Alors là nous n'avions pas beaucoup de lag, mais il faut comprendre que certaines fois on est vraiment obligé de mourir. Alors là nous avons passé la partie la plus difficile du combat, c'est tout simplement de survivre à Hellfire, parce que en général justement avec la houle qui suit derrière, il est possible que pas mal de gens meurent. Alors on peut remarquer aussi que son AOE d'éruption est maintenant beaucoup plus grande. Donc il faut être encore plus vigilant, surtout qu'il en utilisera deux en même temps ce coup-ci. Donc ça c'est aussi l'un des changements qui se passe quand il est dans la phase après Hellfire. Alors ensuite voilà, Ifrit continuera d'utiliser bien sûr ses habiletés. Donc là vous allez pouvoir constater aussi un autre problème technique. C'est tout simplement son AOE justement où il fait exploser une partie de la zone. Comme vous pouvez le voir, j'ai été touché alors que je n'étais pas justement dans la zone de l'explosion. Donc ça c'est aussi un problème parce que certaines fois, même quand on est dans un endroit qu'on pourrait appeler safe parce qu'il n'y a rien au sol, et bien ce n'est pas tout à fait safe justement. Alors pour continuer dans les problèmes justement de ce combat, c'est au niveau des drops en fait. Les drops utilisent le même système que Voidwatch dans Final Fantasy XI. Alors je voulais vous en parler dans ma prochaine vidéo de Voidwatch, donc je vais sûrement me répéter malheureusement dans cette vidéo là, mais disons que le système de loot en fait se passe avec un coffre qui apparaît à la fin du combat et vous obtenez les drops indépendamment des autres directement dans votre inventaire, c'est à dire il n'y a aucun moyen en fait de passer l'item ou quoi que ce soit. C'est à dire que si vous avez un item, par exemple l'épée de Ifrit, et en fait vous n'en avez pas besoin parce que vous n'êtes pas gladiateur et que l'un de vos amis est gladiateur et a besoin de cette épée là, s'il ne l'a pas lui dans son coffre, bah, vous ne pourrez pas lui donner la vôtre. Alors pour revenir sur le combat, comme vous pouvez le voir, son éruption à la fin du combat, il peut la faire énormément de fois justement un peu partout sur la zone, donc il faut faire attention. Donc voilà, pour en revenir au système de loot, alors on peut comprendre plus ou moins qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire en fait en faisant ce système là, mais c'est vrai que c'est assez frustrant de récupérer un objet qu'on n'a pas besoin alors que quelqu'un à côté de nous en a besoin et qu'on ne puisse pas lui donner. Et voilà, combat terminé, Ifrit a été vaincu. Alors
Bon combat quand même au final, même si malheureusement beaucoup de problèmes techniques. Les problèmes de lag qui devraient être résolus à la sortie de la version 2.0, quand ils vont justement refaire les serveurs. Là oui, je pense que le combat sera vraiment très sympa. Surtout qu'ils ont déjà annoncé justement que les combats justement contre Ifrit seront transférés dans la version 2.0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en rajouter régulièrement. Alors bonne journée tout le monde et à la prochaine.